que les soviétiques sont vraiment très sûrs de leur manière, qu'ils ne craignent pas vraiment le pire. Pas d'affolement, pas d'énervement. Et c'est le but, et c'est le but sur cette contre-attaque, ça se sentait, les Français attaquaient. Oui, ça se triste. Ah oui, alors Pino, ça nous pendait au nez depuis, ça mijotait depuis un petit moment déjà. Il faut reconnaître que les Russes sont plus forts. Et j'en viens à dire que l'occupation du terrain chez les Français n'a pas été suffisamment appliquée, les consignes que l'on donne. Oui, oui. Je voyais ça au poil, on voyait ça. Deux bleus pour un blanc et le blanc est passé tout seul. Oui, oui, oui. Par lointaine, c'est-à-dire au milieu de terrain. Et puis que... Comment ? Un très bon tir, un deuxième tir ! Un deuxième tir ! Ah, c'était bien donné ! C'est un but magnifique ! J'ai vu Onichenko est arrivé ! C'est un but magnifique, des deux hommes ! Oh, c'est un but magnifique ! Absolument magnifique ! C'est remarquablement joué ! Absolument remarquablement joué. Et voyez-vous, ce sont des attaquants de pointe. Ils sont là au bon moment.